continuerons avec un groupe de pièces de composition de Diego Ortiz. La première, c'est la Recercada Segunda sobre la España. Après, Pasamiento Antico, Folia, Ruggiero, Romanesca et Pasamiento Moderno. Ce sont les premiers exemples d'improvisation instrumentale et des variations imprimées à la Renaissance. Elles étaient imprimées à Rome en 1553. Thank you.
Thank you.
traiter maintenant de Francisco Correa de Raucho, un des compositeurs majeurs du XVIIe siècle espagnol, des Tres glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción, todo el mundo en general, dans ces trois variations sur une très ancienne mélodie grégorienne sous la Vierge, la Conception de la Vierge. Après, nous interpréterons des variations sous la Gallarde napolitaine d'Antonio Valente.
Sur le thème des Canarios, qui était à côté de la folie, peut-être un des sujets les plus populaires, surtout dans le domaine de l'improvisation. On associe toujours la basse de viol, l'instrument que je viens de jouer, à la viole de gambe. Mais la viole de gambe était une famille d'assauts. Comme les violons étaient une famille dans laquelle il y avait le petit instrument, le violon, l'alto, qu'on appelait à l'époque viola da braccio, et le ténor de violoncelle et la basse de violon. Tandis que les violes avaient aussi toute la famille, et ça c'est donc le dessus de viol de gambe. Seulement cet instrument est beaucoup plus vieux que l'autre, c'est un instrument renaissance, c'est un instrument original de 1500, construit en Italie, et il est un instrument qui a été restauré. Le manche n'est plus d'origine, mais la table et tout le reste, ils le sont. Peut-être c'est un instrument aussi qu'à l'époque, on pouvait les jouer comme ça. Il est quand même assez grand, mais on voit des peintures, notamment dans le Parnasse de Raffaele, dans le Vatican. On voit Apollo en train de jouer un instrument de cette dimension. Donc nous allons faire cette improvisation sur les Canarios, cette une ancienne mélodie et danse qui vient probablement des îles Canaries. Thank you.
La mélodie et la basse du thème de la Folia apparaît dans un manuscrit ancien, c'est dans une chansonnier espagnole de la fin du 15e siècle, d'un auteur anonyme, avec une mélodie, un chant qui s'appelait Rodrigo Martinez, c'était un chant de berger. Donc sur cette villancico, nous allons improviser et réaliser quelques variations pour vous donner une idée de ce qu'ont pu être les premières folies instrumentales vers la fin du 15e siècle.